Following a study on the impact of agro-industry on conservation and the livelihoods of local communities, carried out in the Cameroon Development Corporation, the CDC, and the Kampoman National Park in 2013 by the Poverty and Conservation Learning Group, it was realized that the government of Cameroon is determined to protect great apes, as demonstrated by the signing of the city's convention and the creation of great ape sanctuaries, parks, and zoos. This in the likes of the Limbe Wildlife Center. We have the chimpanzees, which have two subspecies. And the chimps here, the two subspecies we have the Nigerian species and the center subspecies. We also have the gorillas, which we have two subspecies, the western gorilla and the eastern gorillas. They will have a lot of monkeys. We are trying to protect them because their natural habitats have been destroyed, and most people have been trying to keep them in conditions which are not normal. That is why us now, like the center, we are trying to revive them and take them back to where they will live better conditions, almost natural to which they used to belong. And the creation of the Kampoman National Park by Prime Ministerial Decree of 28th July 1995, reviewed by another Prime Ministerial Decree of the 6th of January 2000. Depuis pratiquement deux ans, le service de la conservation du parc national de Kampoman emploie 12 riverains de manière permanente dans le parc de Kampoman par rapport à l'habituation des gorilles. Et cette habituation des gorilles a attiré l'attention de la communauté internationale à travers un financement de la Banque mondiale. So the Great Ape Conservation Program, which is jointly coordinated by the Ministry of Forestry and Wildlife and the Worldwide Fund for Nature, is intended to develop ecotourism and improve on the living conditions of local populations. In Kampoman and Lobeke National Park, where we have habituation programs, you will meet western lowland gorillas. You know, you have three gorilla subspecies, and the western lowland are the less known species, very mysterious species. So basically our role is to protect the species which is endangered, and so we're fighting against poachers, we're trying to protect the limits of the protected areas. But we have also an habituation project which has two goals. First of all, to allow scientific research to get to know a bit more these extraordinary animals, and also to guarantee tourists who come to see the gorillas. And this is pretty unique in the world. It is for this reason that the socio-economic well-being of local communities is included in all phases of the gorilla habitation project. It starts with tracking the gorillas, but without establishing the first contact. And for example, we use in Campo, we use Bagheli trackers, who are instrumental. They know the forest better than anyone. And without them, there wouldn't be any habituation project. Then, of course, once the groups will be habituated, they will serve as guides, as people. They will have the opportunity to show the tourists their culture. We want really to offer a package, and in which the local communities are paramount. Without local communities, no habituation. This goal is, however, illusionary for local communities who say that their lives were better off before the introduction of the conservation program in 2000. Nous, on voit que le parc est même venu ici pour nous. Puisque avant, on disait qu'on va nous sécuriser par rapport aux mammifères qui sont en train de dévaster les champs de part et d'autre. Puisque, comme elle est en train de dire, une fois j'étais ici, j'ai vu les traces d'un éléphant qui est passé ici, derrière la cuisine du chef de groupement. Lorsqu'on est venu me dire ça au village, moi je croyais que c'était un mensonge. Je suis arrivé, j'ai dit que, mais ça c'est... On va donc vivre comment? Puisque ça veut dire que
faire les champs loin. On dit que les éléphants vont arriver. Mais faire même les champs à côté des cuisines, à côté des maisons, à côté de la maison, l'éléphant vient aussi. On va donc faire comment par rapport à ça? Avant, les gens ne savaient pas vraiment la valeur des animaux. La population, à un certain niveau, sait que le singe, c'est la nourriture. Mais quand on vient dire à quelqu'un, il ne faut pas tuer la viande, ça fait mal à la tête. Bon, maintenant, on est encore confronté au ravage des cultures, ce qui fait en sorte que vraiment la population est tellement réticente par rapport à... Révoltée. Others perceive the project as giving more importance to the well-being of gorillas and other animals than to humans. Quand la conservation est arrivée, on a quand même pas de manioc. Il y avait même les patates, mais maintenant, il n'y a plus rien. On a fait plusieurs requêtes et il y a eu même beaucoup de descentes sur le terrain. Nous avons les procès-verbaux qui sont couchés là-bas à la maison. On a attendu, pas de dédommagement, ni rien. Et c'est la pauvreté qui entre dans le village. Pour tous ces projets-là, ça nous ravisse, mais nous déplorons tout simplement le fait que beaucoup de projets passent, mais ça ne profite pas à nous qui sommes de la localité. Par exemple, nous sommes actuellement avec le Fiscagès qui travaille avec le PASEM. Nous avons promis la bataille des champs jusqu'au mois de fin février déjà. Nous n'avons pas encore réalisé leur attente. Resistance to a there and appropriate project by local communities is explained variously. Bon, le problème qui se pose maintenant est que le parc est notre village parce que ici où nous sommes sur les terres à autrui. Alors, nous ne savons pas comment est-ce que le parc a été créé sans que nous soyons d'abord sensibilisés. Ce que nous voulons maintenant, c'est que parce que nous n'avons pas été dédommagés, comme vous pouvez imaginer, le barrage de Memvel, ils ont été dédommagés. Il y a le pipeline Tchad Cameroun qui a été les villageois ont été dédommagés. Nous aussi, si nous aurions été dédommagés, nous n'aurions plus de conflits avec les animaux, les espèces phares comme les grands mammifères, les primates, les pachydermes. Ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que depuis que ce parc a été créé, les gros singes et nous, le problème n'est pas seulement de chasser les singes, mais c'est par rapport aux dégâts. On a déjà fait tant de requêtes. Ils disent, ce qu'ils disent, c'est que ils disent que les gars d'ici ne supportent pas le manœuvrage. Vous savez qu'ici, là, lorsqu'il faut embaucher un jeune homme, il faut seulement l'amener manœuvrer. Mais beaucoup ne supportent pas. Et c'est normal. Nous autres, on a eu la chance parce qu'ils nous ont trouvé technicien. On vient t'appeler qu'on veut ceci. Quand ils sont arrivés ici, il fallait les techniciens. Mais quand l'autre... Peut-être qu'il a suivi une formation ailleurs. Il arrive peut-être soudeur, c'est lui qui révolte là. Il pose sa demande. On dit que non, on a peut-être 3 soudeurs. Stop, on ne peut plus embaucher. C'est la rébellion qui va arriver. Puisque quand il va s'aimer, après sa semence, il voit son manioc pousser. Il dit que ok, peut-être que ça là, le plantain, je vais vendre. Quand l'éléphant vient là, à moins de... Autre 3 jours, c'est déjà fini. Within the CDC complex, around Bota and Limbe, where the study was equally conducted, the expansion of the number one agro industry in Cameroon has left many animals homeless. We are trying to protect them because their natural habitats have been destroyed, and most people have been trying to keep them in conditions which are not normal. That is why us now, like the center, are trying to revive them and take them back to where they will live better conditions, almost natural to which they used to belong. Although the CDC helps the Limbe Wildlife Center with the feeding of these animals, the working and living conditions of local communities who depend on the CDC still leaves much to be desired. As the nose pointing will be better after the minute you return.
then she comes and no life, like the one with the people that were the line no day. But that no day, they didn't tap several pieces of them, come on, so they no day, five day, no day. This notwithstanding, the Gorilla Habitation Project in the Kampoman National Park is trying to involve the local populations. Nous sommes ici, voilà mes petits frères et mon beau frère. Oui. On est ici pour le gorille. Ça fait déjà 4 ans que nous sommes ici aujourd'hui. Concernant donc les chimpanzés, on cherche les nids de chimpanzés. On prélève les crottes. On cherche également ce que consomment les chimpanzés. On fait quand même, et on fait aussi la phénologie des arbres. Donc les arbres que les chimpanzés consomment. Jobs for which they earn considerable amounts to support their families. On est impliqué directement dans ces activités. Par exemple, quand on accompagne un touriste en forêt, obligatoirement, il faut un guide local, un guide villageois, qui est payé 5000 francs la journée. Si c'est 3 jours, c'est 4 jours, alors il fait 5000 francs fois 4 jours. Enfin, c'est pour essayer d'atténuer. Enfin, c'est un palliatif pour le braconnage. Although the Bagelis are reticent about passing on their traditional knowledge, other members of the team remain vigilant so as to grasp all techniques that will guarantee the continuity of the Gorilla Habitation Project and ensure that ecotourism is developed here. Bon, quand vous voyez la première fois quand vous rencontrez un animal en forêt, vous vous arrêtez d'abord. Vous ne fixez pas l'animal pour qu'il ne soit pas au courant que vous êtes son ennemi. Vous ne faites pas le bruit. Vous restez sur place, vous observez. Après ça, quelques temps, l'animal va partir. Bon, si c'est peut-être le cas des éléphants, on peut se cacher derrière un arbre qui a les contreforts. Ou alors, si c'est peut-être les trucs comme les buffles, on peut grimper. Ce nid, on l'a marqué parce qu'on faisait l'étude de dégradation. On voulait voir combien de temps les nids de chimpanzés et de gorilles mettent ici en forêt pour disparaître. Mais ça, en bout, on appelle ça un komokomo. Dans leur foutu, ils ne consomment pas les espèces là ici. I'm there as their assistant. I'm there to guide the trackers in order to follow the gorillas' tracks. The Kampoman National Park, situated some 119 kilometers from Kribi Town, in the heart of the equatorial forest, is home to several protected species of animals, amongst these buffaloes, elephants, chimpanzees, and a gorilla sanctuary in the making. En ce qui concerne le parc, exactement, toutes les activités sont interdites au parc. Et l'accès au parc est réglementé. Même si ça fait partie de notre village, il faut automatiquement, même moi-même qui suis éco-garde là, pour entrer au parc, il me faut avoir un ordre de mission. Dans l'ordre de mission, on spécifie ce que vous venez faire à l'intérieur du parc. Donc on n'entre pas au parc n'importe comment. Also, for ecological and economic reasons, the Kampoman National Park is a sure tourist destination that needs to be developed and valorized. Terme technique, on appelle ça la dissémination des espèces. Ça veut dire un gorille peut manger un fruit ici. À l'intérieur de l'estomac, il y a certaines substances qui favorisent la régénération. Et quand il rejette ces excréments-là, quelque part, ça permet que un arbre qui n'avait pas poussé ici peut se retrouver là à travers les excréments d'un gorille ou d'un chimpanzé. Le conseil que je peux donner à la population, c'est ne pas tuer ces grands singes, éviter le braconnage, ne pas éviter aussi le contact avec ces grands singes parce qu'il y a des maladies qui peuvent se transmettre, tant pour les hommes que pour les animaux. Et le fait de ne pas les tuer, ça peut nous apporter beaucoup dans le sens du tourisme. But this objective can only become reality if there is an effective adherence of local communities. Donc, ce que nous voulons maintenant, c'est essayer de revenir à notre niveau, ça veut dire essayer de revaloriser
l'écotourisme que nous avons déjà amorcé auparavant, revaloriser les champs communautaires que nous avons déjà essayé, malheureusement à cause du pillage des bêtes sauvages. Il arrive souvent que nous moyennons d'un petit fonds qui finit par se perdre lorsque la plantation est dévastée. Even officials of the World Wide Fund for Nature are conscious of the importance of getting the local communities on board. So, let me remind you that the first mandate of WWF is not to protect animals, but it's to build a future in which humans and nature live in harmony and provide services to the people. So basically, look at, for example, this ecotourism project that we have. Imagine when tourists will come and visit this extraordinary nature that you have in Cameroon. They will bring money, and money will help develop local communities. And we will create an ecosystem where tourism will be a driver for growth and for development. Tourists pay different prices, but it can go from like $300 for 1 hour spent with the gorillas to $700 in Rwanda and Uganda. So basically, tourists just don't come alone to see the gorillas. They need hotels. And to reach the sites, they need roads, and they need lots of services. And this creates lots of employment for the local communities. And it's really an economic boost for the region. Le co-tourisme va permettre de donner de certaines redevances aux communautés riveraines. Et à travers des micro-projets, ces populations vont profiter. Déjà, il faut savoir que la visite d'un touriste pour l'habituation des gorilles, c'est au moins 500 000, au moins. Et les touristes réservent à l'avance, un an à l'avance pour venir voir ces gorilles. En dehors de ces redevances, il y a les emplois connexes, comme par exemple le petit coiffeur qui sera dans la ville aura la possibilité, la femme qui vend par exemple la nourriture au marché ou certains petits articles pourra avoir aussi la possibilité de voir les touristes acheter par exemple de ce matériel chez eux. Since the process is long and complex, while waiting that the gorilla habitation project brings positive impacts to their daily living conditions, the populations around the Kampoman National Park, like those within the agro-industrial zone of the Cameroon Development Corporation in Bimbe, appeal to these companies, Wichma and the CDC, as well as government, to guarantee their survival. Nous sommes habitués à faire la pêche dans l'eau courante. Et on ne sait pas, ça ne nous intéressait pas parce qu'on savait que nous avons nos cours d'eau là. Est-ce qu'on peut encore élever les poissons? Or que c'est vraiment une activité qui peut nous rapporter parce que il y a un grand projet à côté de chez nous ici là. Avant que le poisson ne vienne de Kribi, si nous avons nos étangs de poissons ici, on peut se débrouiller avec ça et quitter. Donc il faut nous apprendre à faire les étangs de poissons. Tout ça, c'est à base de des formations, des renforcements des capacités. N'est-ce pas, on nous soutenait à faire peut-être des cultures comme le cacao, le palmier, les cultures industrielles, quoi, même les piscines. La pisciculture serait aussi mieux. Je ne pense pas qu'on serait vraiment... on n'aurait pas eu de problème avec ces gros singes-là. Bon, ce qui revient à dire qu'on veut juste le soutien. On veut aussi, n'est-ce pas, qu'on nous apporte les appuis techniques, qu'on nous apprenne. Hein. Comme ça, nous serons relevés, c'est tout. On a weekly basis, as you say, I receive sometimes about, let me say, about 1,000. On a weekly basis? Some weeks are... You have more visitors than others, but averagely I could say about 500. Really, I cannot say the resources generated here can be able to help the local communities because even what we have, we still need a lot. We are living because
people are helping us. We spend a lot of money on food. You just saw the lab would check the health conditions, give them medicine and all this. And each week or each month, averagely, we spend more than 2.5 million francs on the animals here. But if you consider what people pay, as we receive and they get, or what the government give, we cannot be able to raise 1.5 million francs. The most challenges I'm facing now is the fact that I'm having little from donations that people used to give. Because many people are trying not to see the reason why we have this center. People are losing interest on conservation. And we are not limiting ourselves when we hear that an animal is suffering somewhere. It is only by fully involving local communities at each stage of the project, explaining to them the long-standing benefits that the conservation of great apes in Cameroon will be appropriated by local populations and effectively implemented for their sustainable development.